Yo les gars, on se retrouve pour une petite vidéo YouTube sur Jace aujourd'hui. On est parti pour jouer contre une Syndra, match-up que j'ai l'habitude de jouer, donc ça devrait bien se passer. Jace pick de confort, que j'aime toujours autant jouer au mid. Ok, je sais pas s'ils ont ward, j'ai l'impression que oui. Ok, ça ward, impeccable. Faire le grand tour. Hop, on est parti sur des runes, phase rush. Contre leur compo, on est obligé pour in and out. Je sais pas ce que fait le Udyr. Il veut aller invade là-bas. Après, si c'est ward, c'est pas un call de fou. J'ai l'impression que c'est pas ward. La Syndra se serait peut-être déjà manifestée. On va juste jouer la lane tranquille, on est parti d'Oran Shield, hein. Obligatoire les mecs, le Doran Shield sur les lane range. Yo mon frérot, petite parenthèse dans cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour me soutenir sur la chaîne et surtout de venir rejoindre la communauté sur Twitch. On commence à être de plus en plus nombreux, c'est de la frappe. Des bisous et bon visionnage. Ok, bien joué Udyr. Pas laisser la Syndra décale. Un bon tarot sur l'early game, après c'est normal. Le dire qu'il est en train de loud jungle, c'est phénoménal. On est devant au farm, mais ça c'est ce qui compte en vrai. MDR, elle a quand même proc first strike, hein. Alors que je le dash dessus, je lui mets les dégâts avant. Je dois flash out sur ça, c'est pas grave. Je prends. J'ai besoin de crash cette wave, donc c'est pas grave que je dois flash out. J'ai pas mal de sustain, en vrai je suis très très fine au mid, c'est pas un problème pour le moment de perdre des HP. Elle est niveau 6 après. Ne nous retournons pas. C'est bon, on est encore là. Bon, la team est en train de sulfuro-gap la game. Moi, j'ai juste à farm correctement, à être bien dans la game. Je suis devant au farm. Dès que j'ai ex-drinker, elle peut plus rien me faire. J'ai ma TP de up, je vais back ex-drinker. Et là, avec les doubles dégâts AP, bot lane, plus... La Syndra, sachant qu'ils sont deux AD à être pas bien dans la game, je vais être tranquille pendant un moment avec ce start. Voilà. Vous pouvez voir déjà que les trades c'est plus les mêmes.
Dommage, ça touche pas. Je prends une plate sur ça, magnifique. Court mid, ok, je déploie au bot, on va les prendre. On a les boots. Dommage, pas de chance en vrai. Syndra qui va TP bot, je pense. Super bien joué de la part du Udyr. J'ai mon phase rush qui proc, je out facile. Je pense que je force la tour sur ça. On a 16 minutes, farming parfait les gars. C'est ça qui nous met bien pour l'instant. Et ça c'est dommage au mid. Ils sont fine top. Je la tue tranquille, elle respecte pas. Et on lui baisse sa game jusqu'à la fin. Petite T2 gratuite. Voilà, petite game gratuite, sans grid, sans rien. Juste à jouer tranquillement. J'ai ma TP de up si jamais il y a un souci. Après, je préférerais pas l'utiliser sur ça. Ouais. TP pas sur ça. À faire ça les enfants. Juste à pas grid, elle joue comme ça. Il est one shot. Puis il vient de les triple kill. C'est une folie ce aimer. Elle vient me le prendre vraiment là?
Avec Emursuware, on va annihiler le baron là au spawn. Let's go. Autant aussi haut level que le Hammer. On lui met un bon tarot sur ça. Elle avait pas vu le Emerdinger sur son tech, elle. Hein. La légende du club, hein, c'est Emer. Mais des gros dégâts, hein. Je suis quand même niveau 15. La game est finie ici. Perfect game les gars. Titre de la vidéo. Une petite perfect game sur Jace. Merde. Incroyable. 3-0-4. 220 CS à 21 minutes. Des pixels, franchement, les Hammer et lui dire qu'ils ont détruit la game. Et j'ai fait une game parfaite sans erreur. Donc ça a été un gros stomp. La botlane joue au jeu, même s'ils étaient pas incroyables. Ils ont quand même bien joué au jeu. Donc voilà, petit game diamant assez sympathique. J'espère que ça vous aura plu sur YouTube. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la game. Toutes les critiques sont constructives, les mecs. Des gros bisous. Et puis surtout, abonne-toi et lâche un petit like sur cette vidéo pour me soutenir. Merci, des bisous et à très bientôt.